Bonjour et bienvenue sur donc ce unboxing de la c'est la Degusta Box de mars. Voilà, elle est déjà arrivée, donc elle arrive à la fin du mois. Et aussi un mini haul action. Voilà, je vous présente mes petites trouvailles. Et ensuite un petit concours où il y aura des petites choses à gagner. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc la Degusta Box. Voilà comment se trouve le menu. Le menu de la Degusta Box. Donc je ne vous cache pas que je n'ai pas pu résister. Donc je l'ai ouvert. Et donc on a déjà goûté certaines choses. Comme goûter, dès qu'on est rentré, on avait trop faim. Donc je vous présente cette Degusta Box. On va commencer par les Jordans, vous voyez, c'est déjà ouvert, on a déjà commencé, on n'a pas pu... voilà, c'est à la myrtille, j'ai goûté, donc c'est super bon. C'est à goûter en fait, en plus il y a quand même plusieurs portions, il y en a 6, hein, 6 de 30 grammes, donc c'est pas mal, en plus c'est healthy, c'est bon pour la santé, donc ça c'est cool. Et voilà, donc ça c'est un petit snack, aussi bien le matin, quand vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déjeuner ou dans la journée, c'est super. Il y a aussi cette boisson soja, caramel et orge. Je l'ai déjà eu la dernière fois et ils l'ont remis cette fois-ci. C'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, mais en même temps, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est soja, orge, etc. Mais bon, voilà, après, on va pas se plaindre non plus. Il y a tellement de bonnes choses dans la box que, bon, ben, pour le prix, voilà. On a aussi une confiture. D'ailleurs, un petit bon de réduction de confiture ici. Voilà, de 50 centimes. Intense. Ça, j'ai hâte de goûter. J'adore les confitures. Et puis, vous savez ô combien on aime ce packaging de chez Bonne Maman que tout le monde connaît. C'est notre enfance, en fait. C'est notre enfance. Voilà, quand je vois ce packaging, je peux penser à mon enfance. À l'époque, on prenait beaucoup de confitures. À chaque petit déjeuner, goûter. Il y a eu aussi du sucré pour les enfants. Donc ça, les enfants, dès qu'ils ont ouvert la boîte et qu'ils aiment ça, ils ont couru dessus, ils ont voulu l'ouvrir. Donc j'ai réussi à l'attraper avant qu'ils l'ouvrent. On a pu sauver. Il y a aussi ces petits. Alors par contre, les enfants n'ont pas du tout aimé. C'est moi qui ai aimé, c'est au raisin. C'est vrai que c'est un goût prononcé de cassis, en fait. Et je n'ai pas trop. Le goût, c'est vraiment 100% fruit, raisin, cassis. Et un goût prononcé de cassis. Une de mes filles m'a dit, mais c'est bizarre le goût, c'est bizarre. C'est vrai que le goût du cassis y est vraiment. Des graines de chia. Donc j'en avais acheté des graines de chia récemment. Et là on a reçu des graines de chia samen. Donc ça c'est très très bon pour la santé, des graines de chia. Franchement prenez-en petit déjeuner dans vos yaourts. C'est un bienfait pour la santé en fait. Voilà. C'est un médicament en fait pour le corps. Ah, prenez-en autant que vous voulez, même si ça paraît bizarre comme ça, parce que c'est vraiment des petites graines, ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est très bon pour la santé, ça a beaucoup, beaucoup de vertus. Il y a également tout un fascicule, je ne sais pas s'il y a une bonne réduction, mais il y a tout un fascicule sur les graines de chia. Peut-être qu'ils ont fait un partenariat, je ne sais pas, chez la Degusta Box, voilà, pour faire des smoothies. En fait, on vous explique comment utiliser les graines de chia. Je ne savais même pas qu'on pouvait les mettre dans les tomates, des choses comme ça. Mais c'est super bon, super bon, super bon. Voilà. Ici, on a du thé Earl Grey avec un petit côté floral. Donc ça, j'ai hâte de goûter. Franchement, j'ai hâte de goûter. En plus, c'est de la marque Lipton. Moi, j'aime trop le thé. Bon, c'est vrai que je suis plus café que thé. Mais j'essaie de boire de plus en plus de thé pour éviter le café, en fait. Voilà. Donc ça, je vais certainement m'en prendre pour le boulot. Et on a ici une petite farine francine douce et onctueuse. Qu'est-ce que c'est? Ben non, c'est même pas de la farine. C'est une sorte de semoule. Ah oui, c'est de la semoule. 3 minutes de cuisson. C'est sympa ça. Ben écoutez, à goûter, à tester, parce que je connais pas du tout. Mais apparemment, 3 minutes de cuisson, plus sympa. Par contre, on peut entendre les graines dans le carton. Je crois que ça commence à couler du packaging. Donc, ça va. Ah, il y avait aussi ces petites viandes séchées, bif séché. On n'a pas pu s'empêcher de s'empiffrer tout de suite. Voilà, et en même temps, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet, c'est dommage, mais c'est super bon. Il n'y a que 25 grammes, mais c'est super bon en tout cas. Viande séchée, là. C'est pas bien, ça, c'est un péché de nous avoir mis ça.
Il y avait aussi une boîte de Pringles tacos, je crois que c'était le nom. Ça doit être une nouveauté de chez Pringles. Une de mes filles est en train de la finir, de la massacrer la boîte, parce que de toute façon elle va pas durer longtemps. Ça reste des Pringles, tout le monde aime ça. Alors on va passer tout de suite au hall action. Donc action, c'est parti. Donc au hall action, j'ai enfin trouvé toutes les palettes que tout le monde cherche en fait, que tout le monde s'arrache. Donc j'ai tout ouvert déjà pour pouvoir vous les montrer. Donc la première ici, qui est des fards à paupières colorées. 1,98€ franche seulement. Donc c'est vraiment une blague, quoi. Le truc, c'est donné, c'est voilà. 1,98€. Regardez les couleurs, elles sont juste magnifiques. Voilà, on va passer à la nude. Voilà la nude. Donc la palette nude. Magnifique, regardez les couleurs, il y a même des couleurs irisées, pailletées, un peu comme celle-ci. Enfin, elles sont magnifiques. Regardez celle-ci, oh là là, dorée ici. Magnifique. Il y a aussi donc la palette de contouring. La voilà. Donc, je ne vais pas vous les swatcher parce qu'il y a plusieurs hauls sur lesquels on vous les swatch. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de vous les swatcher. Sachez que les produits d'action n'ont pas... J'ai essayé de sentir, il n'y a pas d'odeur. En général, il n'y a pas d'odeur, il y a plus une odeur chimique qu'autre chose, mais en même temps, pour le prix, il ne faut pas s'attendre non plus à... Voilà. Surtout que la boîte, elle est déjà pas mal, c'est écrit en rose gold, les couleurs sont là, la pigmentation est là. Donc, en général, dans les produits d'action, la pigmentation est là, la couleur, elle est là. Ça tient. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un truc de malade. Ça reste du action, ça reste du... C'est même pas du action, parce que franchement, action, ils font des bons produits, c'est vraiment... Voilà quoi, ça reste un produit à 1,98€, voire même, je pense qu'on en a vraiment beaucoup plus qu'à 1,98€. Voilà, j'ai aussi trouvé cette petite table, comme vous pouvez le voir, c'est une table d'appoint, petite tablette à poser sur ton lit, ou voilà, quand vous voulez faire un peu pour le maquillage. J'ai trouvé enfin ce petit miroir, c'est un bijou, et en même temps c'est un miroir grossissant, donc super. Voilà. Ça pareil, je l'ai payé 2€, il y en avait qu'un, ça fait un moment que je le cherche. J'ai trouvé également cette petite tablette où j'ai posé tout mon nécessaire que j'ai actuellement devant moi parce que j'utilise ce vernis actuellement. Donc du coup, je l'ai mis là. J'utilise cette mousse de chez Cartier que j'ai mis là. Et j'utilise cette petite brume, bon, elle est toute petite, de chez le Verger Shop que j'ai mis là aussi. C'est les produits que j'utilise en ce moment en fait. Voilà, voilà. Et en fait, j'ai préparé un petit concours pour vous remercier de m'avoir suivi pour mes 100 abonnés. Et comme j'ai galéré à avoir ces palettes, donc en fait, voilà comment ça se passe. J'ai réussi à trouver deux palettes en plus. Donc il y en a une, c'est couleur fard à paupières. Et donc la deuxième palette, c'est le contouring. Ici, vous avez les explications ici pour comment utiliser contouring, etc. Donc je vous propose en fait de gagner ces palettes. Donc il y a deux lots pour ce concours. Donc vous pouvez gagner cette palette plus une surprise qui s'accompagnera donc de votre palette. Ou cette palette plus une autre surprise. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être abonné à ma chaîne, de mettre un j'aime et de mettre votre adresse email. Et je vous enverrai, une de mes filles fera le tirage au sort, enfin les deux tirages au sort. Chacune fera un tirage au sort. Donc ça, il y aura deux tirages au sort pour les deux lots. Voilà, c'est les petites mains innocentes, donc comme ça, il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas de voilà, tricherie. C'est un peu comme si c'était des huissiers. Voilà, et une fois que j'aurai le gagnant, bah, je vous enverrai un mail, d'où l'intérêt de juste mettre votre adresse email. En fait, en mettant votre adresse email, j'aurai votre pseudo, votre nom de YouTube, et comme ça, je pourrai vous joindre facilement et vous dire, vous demander votre adresse, etc. Donc voilà. Et ça, c'est pour vous remercier de mes 100 abonnés. J'aurais jamais cru que j'aurais eu 100 abonnés. Franchement, merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup YouTube. Et comme moi, j'ai galéré pour avoir ces palettes, je pense que ça vous fera plaisir aussi. Parce que franchement, j'ai vraiment galéré. D'ailleurs, j'en ai laissé qu'une palette. Et elle était ouverte. Il n'y en avait pas du tout. J'ai pris ce qu'il y avait. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi. Chez Action, j'ai eu ceci. C'est une petite corbeille pour ranger ses papiers. Donc cette corbeille, je l'ai payée 3€ et quelques. Voilà, c'est juste pour mettre tout ce qui est mon courrier. Et d'ailleurs, je vous fais part de... Je suis ambassadrice pour La Belle Adresse. Voilà, ils ont sorti des nouveaux produits. J'en profite pour vous en parler. Et donc ces produits, c'est des produits de coloration.
de la marque Schwarzkopf. Voilà, j'ai reçu deux boîtes comme ceci. Donc si vous êtes intéressé par ces produits, je peux vous envoyer donc un bon de réduction. Voilà. Donc c'est des bons de réduction pour pouvoir acheter un produit directement de la marque Schwarzkopf. C'est des bons de réduction de 3 euros. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vous fera une belle économie. Donc n'hésitez pas à me demander. Je vous l'enverrai aussitôt si vous êtes intéressé. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Voilà, et à vous abonner à ma chaîne et à commenter. Voilà, j'adore partager avec vous tout ce que je trouve, mes trouvailles, que ce soit chez nous, chez Action ou même ailleurs. Et il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis, ben, je vous remercie, je vous embrasse tous et à très très vite.